Salut à tous et bienvenue avec Miss Création, avec Anna. Donc ce soir on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai décidé d'être à fond ce soir, de faire une petite vidéo pour tester mes nouveaux moules. Donc celui d'Oreo, hein, boucle d'oreille et collier. Si j'arrête de faire la con, voilà, pardon, excusez-moi, hein, je cherche ma caméra. Et pour faire tout simplement le petit croissant que j'ai eu. Donc on va tester, on va essayer de faire ça ensemble. Je promets pas que ce sera parfait de toute façon, mais on va essayer de se faire ça ensemble. Donc c'est parti, on va tester les produits. Donc là je vais prendre de la jaune, Number One Vanille, que j'aime beaucoup. C'est une pâte assez simple en couleur et elle est facile à teinter quand on a besoin. Donc voilà, donc là je la malaxe un petit peu parce qu'elle est un petit peu sec. Heureusement j'utilise pas beaucoup mes pâtes. C'est chiant, mais voilà. Donc, ces moules sont de chez Créali. Mercerie pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, elle est sur Insta. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa petite boutique. Petite boutique qui est vraiment mignonne, comme tout. Il n'y a pas beaucoup de produits, mais je pense que voilà, ça marche. C'est plutôt mignon. Il y a pas mal de petits produits, un peu de tout. Voilà, donc il y a la vidéo hein, qui vous met ce que j'ai commandé dans sa boutique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Hein, bon, alors, on va chauffer un petit peu la pâte parce que là, elle a vraiment pas envie de bosser la pâte ce soir. Voilà. Quand tu veux la pâte. Passe un petit peu parce que là... vous voyez ou pas? Attendez. On va mettre voilà, le moule ici parce que vous n'allez pas voir sinon. Faut que je trouve un petit rouleau pour étaler dans mon moule. J'espère que ça va marcher. Parce que moi, les moules, j'ai toujours eu du mal avec les moules. Qu'est-ce que ça donne? On va faire avec ça. Vous savez quoi? Avec les. C'est pas grave. Ça fera avec ça. Ça fera l'affaire. Alors, c'est Miss Créative qui fait une technique. Elle l'aplatit. Et ensuite, elle fait un truc. Elle prend le scalpel et passe par-dessus pour enlever le trou. Parce que moi, je m'appelle pas Miss Créative. Donc, comment vous dire? Moi, je suis pas très douée. Et on va essayer. Hein, on va tenter ce que fait Miss Créative. Je vais prendre comme ça. Non, je m'y prends vraiment comme un boulet. Alors, je vais essayer de faire vraiment en sorte que ça fasse que le croissant et que ça fasse pas plus. En fait, après, il faut que je découpe la pâte, quoi. C'est pas que je suis pas douée, mais c'est un peu ça, quoi. Ou alors, j'enlève l'épaisseur qui en trop. Mais... je suis pas très douée, hein. Sinon, c'est pas grave, je redécouperai mon morceau après pour que ça soit bien. Bon, voilà. C'est dedans. On démoule. Ah, c'est sympa. Et il le fait bien, le croissant. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à découper le surplus avec ma lame. Sans détruire mon croissant, bien sûr. Là, c'est de la patience qu'il faut. Il faut être concentré. J'avoue que... ma lumière, elle est pas top. Attendez, je vais essayer de mettre ma lumière... ma super lampe que j'ai. Je sais pas si ça va bien marcher. Wow, putain. Ça pète les yeux. Mais ça fonctionne. Voilà.
Ouais, je trouve que c'est pas mal pour une première. Je vais essayer de vous le montrer. C'est vraiment tout petit, hein, comme vous voyez, c'est vraiment tout petit. Donc je vais le mettre de côté. Je vais en faire un deuxième. Pour pouvoir faire des boucles d'oreilles après. C'est mieux. Mais la taille a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, hein. Moi j'ai envie de dire. Elle est pas mal. Après, sûr qu'avec des moules, c'est un tout petit peu plus simple que faire soi-même. J'ai testé, ça ne marche pas moi-même. Donc j'ai dit, on achète d'un pan. Un pan. Un moule. Allez, c'est parti, on y va, on chauffe la pâte, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Pour qu'elle soit plus facile à malaxer, pour qu'elle soit plus facile à se tordre. Alors j'en mets pas trop non plus pour pas j'ai trop non plus à enlever en surplus. On prend la création et on aplatit. Je pense que j'ai un tout petit peu trop. On le sent, hein. Quand vous en avez trop, vous le savez. Ça se ressent en fait. Ça se voit sur votre création qu'il y en a trop, que ça déborde. Ça veut dire que vous avez été un tout petit peu trop généreux sur la pâte. Donc là aussi, j'étais encore trop généreuse. On va faire comme Miss Créative. On va essayer d'enlever le surplus. Étant donné que je ne m'appelle pas Miss Créative, ça peut être du parfait. Bon, Miss Créative non plus, c'est pas du parfait, mais enfin, c'est une façon de parler, quoi. Elle n'a pas besoin de moule pour les faire. C'est plus facile pour... On fait avec ce qu'on peut, quoi. Allez, je démoule. Oh, il est beau. Il est beau, mon croissant. Il est beau. Voilà. On enlève le surplus, comme tout à l'heure, avec le scalpel. Voilà. Voilà. Ah, je suis en train de détruire mon pain chocolat. Mon croissant. Et voilà. Donc mon croissant est prêt. Donc on fera les couleurs de pastel après. On va se mettre au deuxième moule. Le noir. Non, j'ai vu mon pain noir tout à l'heure. J'ai perdu mon pain noir. C'est, je deviens folle. Non, il est à côté de moi. C'est juste que j'ai pas de yeux pour voir. D'accord. Donc le pain noir, c'est parti. Je sais pas du tout si je vais avoir assez ou pas. Faut que je chauffe aussi. C'est parti, on chauffe, on chauffe. Je suis pas très douée. Hop là. Vous voyez mieux? Ce serait peut-être mieux. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai un support pour faire les vidéos. Ça devrait être un tout petit peu plus pratique que d'habitude. Ce qui fait que ça va peut-être me donner plus envie de faire des vidéos. Voilà. Alors, avant de l'étaler, je vais l'étaler déjà de base. Sur mon plateau, parce que s'il est trop gros, je vais pas le mettre sur le bordel. Alors, je suis pas sur un bon support, hein. Faites pas comme moi, je suis pas sur un... Ok, on recommence. C'est cassé, faut recommencer. Ça se casse facilement, donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore assez moelleuse. Voilà. Là. Donc moi, je commence déjà un peu à l'aplatir avant. Voir si j'ai assez de pâte. Voilà. Alors, je sais pas si je fais bien les choses. Hein. Moi, je... Oh. Moi, j'improvise, hein, les gens. J'improvise totalement.
Peut-être pas comme ça qu'on fait hein, chez Créatrice, mais moi là, c'est vraiment de l'impro. Donc. Ah, c'est pas grave. C'est quoi? On va carrément enlever le surplus que j'ai déjà là. Il me montre que j'ai du surplus. On va retirer le surplus. On va étaler. Faire un beau truc. Alors, soit c'est moi qui sais vraiment pas faire avec ces moules. Je suis vraiment pas douée avec ces moules. C'est chiant. J'arrive pas. Ça m'énerve. Ça marche pas! Ça colle pas! Mais c'est quoi ce bordel? Et ça marche pas. Ça colle pas. C'est quoi ce bordel? Ça marche pas, j'arrive pas. J'ai réussi avec les autres, j'arrive pas avec celui-là. Je suis nulle ou quoi? Je vais être nulle. Hein. Non, moi, j'utilise pas de moules, j'essaie de tout faire moi-même. Donc, quand j'utilise des moules, c'est un peu la galère en fait. Et c'est pas des moules pratiques parce qu'ils tiennent pas dedans. Regardez, il tient pour. La pâte, elle tient pas dedans. Il est trop fin, mon truc. Non, mais moi, je suis pas faite pour ces genres de moules. Je vais essayer de l'étaler dedans. Alors, vous verrez bien que je suis pas une experte des moules. Et encore moins de cela. Mais c'est pas possible, c'est pour la résine ces moules. Ah, ça y est, je vais y arriver. Donc, ça donne ça. Après, il faut que je l'enlève. Oreo. Ça a marché! Ça y est, avec un peu de patience, ça fonctionne. Ça va pas être drôle pour le retirer maintenant. Faut retirer tous les contours, mais vu qu'il y a des bobos. Ah, c'est affreux. Faut être méga patient. Voilà. Donc les moules de Créaline, pardon, Créaline, oh putain. Créaline fonctionne. C'est juste que vous avez en face de vous une créatrice qui est pas très douée avec les moules. Étant donné que j'en utilise pas souvent. Et puis moi, dès que ça marche pas du premier coup, hein, vous savez, moi je perds vite patience. En fait, c'est la créatrice qui n'est pas très patiente, ce qui fait que la créatrice peut paraître un petit peu. Bon, bref. On reverra après pour bien étaler. On essaye de faire le deuxième. Parce qu'il en faut deux, hein, je vous rappelle, Oreo. Il en faut deux. Peut-être pas avoir assez de pâte. Peut-être que j'en reprenne un petit peu. Deuxième. Voilà. C'est parti. On colle dedans et on étale. Ah voilà, ça repart en cacahuète comme tout à l'heure. Ça a marché au final, mais faut que je m'y prenne bien aussi. Je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure. J'ai un peu étalé n'importe comment. Un peu débordé, on va dire. Et puis, je suis pas quelqu'un de très... très patiente. On recommence.
pas du tout quelqu'un de très patiente de base, donc faut pas m'en vouloir. Hein. Colle-toi. Puis toi, arrête de te défaire. Mais bouge pas. Faut que tu te colles, chérie. Allez. Et rigolez pas, hein, parce que je suis vraiment pas douée avec les moules. J'ai beaucoup de mal à comprendre les moules. Et là, comment vous dire que j'ai enfin réussi le deuxième. Oh, ça va être quoi quand ça va être les petits après? Il faut que je l'enlève. Oh, ça a marché. Miracle de Dieu. Ça a marché dans une pipe en bois. J'ai réussi. Voilà, faut être patiente, mais je ne suis pas du tout ce soir. Soir, j'ai plein de choses en tête et... Faut pas que je coupe le motif. Qu'il coupe, mais bien. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va mettre la vanille dedans. Alors, la vanille, on va faire au pif, hein, moi je vous le dis. Avec moi, c'est simple. Hein. Moi, c'est. Donc, les moules, hein, ils sont très très bien hein, de chez Créali. C'est moi qui suis pas patiente ce soir. J'ai beaucoup de mal à être patiente ce soir. J'ai pas. Alors, j'adore faire de la fumée, mais ce soir, j'ai du mal à. Voilà, parce que je suis arrivée à faire de la fumée, mais en fait, je suis un peu dans le speed parce que, ben. Juste de prévu. Mais je voulais faire absolument ma vidéo parce que demain j'aurai pas le temps. Donc voilà. Voilà. La deuxième partie est faite. Voilà. Maintenant, on se lave les mains. Parce que j'ai les mains noires. Vous m'excuserez, mais pas garder les mains noires, même si la coque du cookie. Du... Oh, du cookie. Oh là là. Je suis fraîche hein, quand je m'y mets. Voilà, on va faire un truc blanc. Je fasse une coque blanche. Allez, dans une pipe. Elle va vouloir. Mais ce que j'aime bien dans cette vidéo, c'est que là, je vous montre vraiment qui je suis. C'est-à-dire que ben, vous voyez que je suis en train d'en baver. Et vous savez qu'en fait, de base, ben, j'utilise pas de moules. Enfin, j'en utilise, mais pas des comme ça, quoi. Et ceux-là, c'est ceux que je laisse souvent au fond du placard. Parce que je n'arrive pas à les utiliser. Et étant donné que je ne suis pas quelqu'un de très patiente. Comprenez bien que c'est un petit peu compliqué pour moi. Je sais pas du tout c'est quoi l'épaisseur du machin. Vous trouvez que c'est gros ou pas? Je sais pas. Mais je suis très contente d'avoir acheté les moules. C'est juste que je suis pas du tout quelqu'un de patiente. Et ça, c'est mon plus gros défaut. Alors, font un rond. Un rond, assez rond. Un rond, qui passe le rond. Ah, désolé pour le boucan. Moi, je fais beaucoup de boucan. Je suis désolée. Hihihihihihihi. Bah, il est où mon gros, là? Mon tout gros, gros? Pardon, excusez-moi. Il est où? Mon petit gros là, t'es où? Deux. C'est gelé. Mais non, ça va être un peu grand.
Donc, faut que je prenne celui-là. Puis après, je vais l'étaler. On verra bien ce que ça va donner. Je vais le réétaler, je pense. Hein? N'en pensez quoi, les gens? Pas du tout ce que ça va donner. C'est grand ou pas les ronds dans les Oreos? Je sais pas du tout, j'en ai pas chez moi. Alors, c'est pas un super Oreo, hein. C'est pas un super beau Oreo, mais on s'en fout. C'est juste pour voir ce que ça donne. Pas assez épais, je crois. Non, pas assez épais. Non. Je vais casser le truc. Donc, je sais ce que je vais faire. Je vais réétaler un morceau de par-dessus. Ça va pas faire super joli, mais après avec un doodling tool, je passerai entre les deux et ça pourra le faire. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai refait un rond, mais il est trop gros maintenant, mon rond. Je suis une patate. Je vais faire comme tout à l'heure, j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est juste pour voir tester les moules en fait. C'est vraiment. C'est vraiment pour tester le moule et voir si ça peut le faire ou pas. Mais le moule, il marche très très bien de Créali, ça c'est sûr. Hein, vous l'avez confirmé. Hein. Confirmation. Marche très bien. Donc déjà, ça c'est bien parce qu'il n'y a pas de défaut sur les moules. Donc ça, vous pouvez être sûr sur ce coup-là que Créali fait très bien ses moules. Hein. Il n'y a aucune cassure, il n'y a aucun gêne. Il y a... Non, c'est vraiment parfait. C'est de la très très bonne qualité ces moules. Là-dessus, vous pouvez avoir confiance hein, sur les moules de Créali. Ah voilà, déjà c'est beaucoup mieux. Voilà. Mon Oreo est fait. Ben moi j'ai envie de vous dire, pour quelqu'un qui fait une première réussite, hein, faut le faire. Donc, on essaie d'avoir l'Oreo sans abîmer ce qu'il est. Ça c'est super sensible. Hein. Quand il y a les dessins dessus. Voilà. Mon Oreo est réussi grâce à au moule de Créali. Donc, il y a un côté qui a moins de pâte, mais c'est pas grave. Mais le moule est top. Donc voilà pour ma première création. Et on va prendre ben, les petits croissants qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais pas faire avec les petits parce que ça va être galère. Et la vidéo va être trop longue. Mais en tout cas, vous avez la preuve que ça fonctionne. Hein. Faut juste avoir beaucoup, beaucoup de patience. Que je n'ai pas. Voilà. Et on va commencer à faire donc la teinture des croissants. Donc, je sais pas du tout comment on fait. On va déjà... Commencer par... Excusez-le. Mon machin a eu un bug. Donc on va commencer à faire avec du jaune, je dirais. Mais ça marche pas. Et vous savez quoi? Je passe au doigt. Si on y va doucement, ça devrait fonctionner. Donc déjà, je prends du jaune. Je me dis que du jaune, déjà, ça peut le faire. Je sais pas si c'est du jaune ou de... Si c'est du jaune, c'est pas de l'ocre. Va quand même... Non, je sais ce que je vais faire. Je vais gratter mon jaune avec un... Voilà. Maintenant, toi, tu trempes dedans.
dans la poussière de jaune et tu t'étales. Pas si c'est moi que c'est nul ou c'est c'est quoi, mais putain, mais je suis nul ou quoi? Non, mais j'ai vachement de mal ce soir. Oh là là là, je jure que je suis en train d'en baver là. Ah, puis moi, et puis l'aquarelle, c'est pas mon dada hein. Parce que le problème, c'est que j'ai pas l'impression que ça fasse. Enfin, pourtant, ça fonctionne, on a la preuve. Mais j'ai l'impression que les pinceaux, ça ne fonctionne pas. C'est moi ou tout le monde est pareil? Ou c'est que c'est moi qui n'ai pas assez de patience ce soir? Je pense que c'est parce que j'ai pas de patience. Ouais, c'est moi qui n'ai pas de patience en fait. J'ai pas vraiment pas de patience ce soir. Faut pas m'en vouloir, hein, les gens. Ah. Et voilà. Tu vois quand tu veux. Non mais pour ça, quand vous faites vos créations, il faut beaucoup de patience. Il faut pas faire ça comme ce que je suis en train de faire en fait. Surtout quoi. Faire aussi en dessous, c'est mieux. Suis pas très douée. Hein. J'ai pas l'impression que les pastels ça fonctionne, c'est moi ou c'est que je suis pas patiente. Ce soir j'ai vraiment du mal à être patiente. Moi il faudrait que tout marche comme sur les roulettes en fait. Que ça fonctionne comme ça quoi. En claquement de doigts, faut que ça fonctionne. Faut que ça marche pas comme ça, Fimo, mais. Ça j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Bon, mes créations, il y a un peu de poussière et de machin, mais c'est pas grave. Ensuite on fait comment? Que je vais pas mettre du beige, je vais essayer de mettre de l'ocre. Je suis peut-être une erreur, hein. Mais oh là, je fais une erreur, je crois là. Je sais pas si je fais bien, hein. J'ai jamais fait. Je suis vraiment débutante dans ce monde-là de la déco. J'ai jamais compris les créatrices qui faisaient avec leur truc. La couleur, elle est pas belle. C'est moi ou. Alors, surtout, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à faire vos critiques. Non, mais en critique, dire ce que vous pensez de mes créations. Mais j'ai un bug, désolé. Un truc qui s'éteint tout seul quand ça dure trop longtemps. J'arrive pas. Ah puis. Je pourrais vous dire pourquoi tu regardes pas les vidéos des créatrices et puis tu fais comme les créatrices, mais j'aime pas faire comme elles. Oh, je déteste ça. J'aime bien faire mes trucs à moi, en fait. Je déteste faire comme elles. Je déteste. Donc là, j'utilise des moules. Mais. Parce que c'est plus simple. C'est plus rapide. Que toute créatrice vous dira. C'est plus facile. C'est plus simple. Mais c'est plus simple, c'est plus. Voilà. Mais c'est pas si simple que ça en fait. Hein. À. Et réfléchir, c'est pas si simple parce que faut savoir teinter vos créations, faut savoir doser, faut savoir faire les reflets, faut. Oh non mais moi je fais ça, mais vraiment parce que je sais vraiment pas faire. Hein. Je le fais parce que. Bah, enfin. C'est de la gueule mon croissant, mais je sais vraiment pas faire. J'ai vraiment l'impression que c'est moche. Et puis, comme je m'y prends comme un boudin ce soir, je trouve ça encore plus moche.
Non, ça a l'air d'être. Soit c'est moi qui trouve ça moche alors qu'en fait c'est de la gueule. Soit c'est vraiment moche et je m'en rends pas compte. Parce qu'en fait là, vous voyez, à faire comme ma couleur, ben, j'ai l'impression que c'est joli. Ouais, ils sont pas si moches, mais. Mes petits croissants là. Oh, ben, ils sont mignons. Je viens de vous dire, ils sont pas si moches en fait. La couleur est peut-être pas encore ça. Ah, voilà. Il y a des côtés où c'est plus foncé. Mais je suis pas encore totalement satisfaite de mon croissant là. Vous en pensez quoi, vous? N'hésitez pas à me donner vos conseils pour faire mieux la prochaine fois. Mais les moules sont top parce que franchement, ils marchent très très bien. Hein? C'est pratique les moules. Ça, le jour où j'aurai vraiment envie de prendre le temps de faire mes croissants, je les ferai moi-même. Mais pour l'instant, des moules, c'est bien pratique. Je pensais mettre un peu de marron plus dur. Hein. Vous en pensez quoi? Je pense que je peux tenter l'expérience et je vais bien voir ce que ça va donner. Petit coup de marron. Non, je ne sais pas du tout. Hein. J'en mets pas trop parce que je veux pas trop que ça déteigne mes croissants. Je sais pas si c'est bien ce que je suis en train de faire. J'ai jamais vraiment fait ce que je suis en train de faire. Oh là, je crois que j'en ai mis trop sur l'autre, celui-là. Ouais, de toute façon, après, je vais repasser un coup de d'ocre. Ce sera peut-être bien. Je vais passer du orange ou de l'ocre, je sais pas. Voilà. Voilà, j'essaye de faire comme je peux. Ah, ben, t'es chiante la caméra là. Je sais pas. Peut-être un peu plus l'autre. Voilà. J'ai envie de dire, il est quand même pas mal mon croissant. Mais il n'a pas assez d'effet. Est-ce que je devrais mettre du orange, vous pensez? Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer du orange. Je prends un risque. Hein. Peut-être éclaircir. Je sais pas si je fais bien. Mais moi, les couleurs. En train de faire tout et n'importe quoi. Et pour trouver la texture du bon chocolat. Du croissant, excusez-moi. Voilà, j'en ai enlevé ma couleur de base de marron. Putain. Pardon. Oh, mais. Non, de douce. Ça m'énerve. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui sait. Voilà. Eh bien, on va dire que c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Parce que faire des croissants, c'est déjà pas. Donc voilà, mes croissants sont finis. Voilà. Ouais, moi, je les trouve plutôt mignons, mes croissants. Mon Oreo, qui est là. Alors, j'essaie de ne pas trop le toucher parce que vu que c'est fragile. Hein? Mais l'Oreo est fini. Donc voilà, donc je vous confirme officiellement. Alors, je vous confirme officiellement
Je vous confirme officiellement que les moules de Kraline fonctionnent. Ils sont de très très bonne qualité, réellement. Ils sont très beaux, ils sont bien réussis. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir sur sa boutique et lui commander des moules. Vraiment, c'est de très bonne qualité. J'ai pas essayé les tout petits, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Hein? Et puis je suis désolée, hein, j'ai pas patience ce soir. Non, j'ai pas patience ce soir, faut pas m'en vouloir. Mais voilà. Voilà. La caméra elle est où? Ça marche. Et là, je viens de le faire, mais d'un coup de. Comme ça, quoi. C'est. Là, j'ai pas eu besoin de patience, hein. Là, ça fait clac. Ok, ça marche tout seul. Et ça marche tout seul. Donc là, je reconfirme encore que c'est de la bonne qualité. En fait, je vais réussir à tout faire. J'ai réussi mes Oreos. Eh, mais attendez. J'ai réussi mes Oreos. Alors, c'est tout petit, hein. Alors, je vous jure, c'est des bébés Oreos, hein. Si vous aimez les bébés Oreos, c'est plus que des bébés Oreos, hein. C'est des Rikiki. Mais je vous le dis, c'est Rikiki. Rikiki du Rikiki. Rikiki du Rikiki. Donc, alors, je vais finir ma vidéo, mais je vais pas finir parce que vu que j'ai pas fini. Donc, vous redécoupez bien votre création. Mais, vous pouvez y aller, hein. Non, c'est pas grave, si la caméra l'a coupé, c'est pas grave. Même sous cette caméra. Mais, ouais, c'est. Non, ça fonctionne. Alors, prenez-y vous bien. Prenez-y vous bien. Oh la vache. Je suis pas française, hein, désolée. Enfin, si, je suis française, mais je, voilà, je parle pas bien le français français, hein. Pourtant, je suis française, hein, de base. Et voilà. Prends un petit peu de pâte. Voilà. On est de la blanche. Attendez, je prends un plus gros bout parce que là, l'Oreo, il va jamais tenir dessus. Ça va pas être beau sinon. Bon, je crois que c'est encore trop gros. C'est pas simple, hein, de faire les tailles. J'en fais qu'une puce, hein, parce que c'est déjà pas simple à faire. Ouais. Voilà, mon Oreo est prêt. Voilà. Donc, voilà. Donc, tous les moules de Créaline fonctionnent. Donc, vous pouvez vraiment vous lancer dessus. C'est vraiment top. Bonne continuation à toi, Créaline. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo. En tout cas, vous avez vu comme quoi la fimo, c'est pas si simple. Hein. C'est pas comme certaines créatrices qui vous font ça comme ça. Je dis, oh, c'est parfait. Non. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il y en a, j'y arrive peut-être du premier coup, mais en tout cas, là, vous avez la réalité que en 30 minutes, 40 minutes de vidéo, vous avez preuve que j'en ai chié. Hein? Vous avez preuve. Donc, perdez pas de patience, prenez le temps de les faire, mais n'hésitez pas à commander sur la boutique à Créaline. Créali, Mercerie sur Instagram. Merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.